Bonsoir tout le monde, bienvenue sous News AD. En fait, dans la vidéo, ça, justement, nous pour aller aux gens pour mener une bataille, ça nous les quatre travail. Et dans le domaine, nous constatons justement grand bon monde qui a souffert lorsque vous faites application quatre travail dans diverses. Nous surtout parler de monde qui sont asilio et autres et plusieurs autres monde tout justement. Et nous connaissons quatre travail, c'est pour besoin de travail. Et pas seulement pour travailler, vous avez besoin de circuler. Ok, nous, tu penses, vous nous dites, qui est capable de faire justement pour nous aider les gens à mener une bataille, ça, parce que nous avons dit que c'est une bataille de survie, parce que nous avons besoin de travailler là, c'est une bataille. Alors, qui est capable de faire pour nous justement et attaquer USCIS pour qu'il démêle et dégager justement pour le bon cas de travail, ça, qui va attendre depuis un peu de temps. Ok, pas oublier que sous passé justement par bon site là, et pour la première fois, vous pouvez faire le tour, il y a un bouton subscribe là, ou appeler pour capable et connecter. D'abord, mais on a pas gagné dit en avant. Tout le monde qui soit asile, nous toujours conseillé que de préférence et utiliser quatre travail asile et puisque il a pour 2 ans, comme en logique là, et puis quatre travail TPS là justement, il a pour 18 mois. Bon, ça va empêcher tout si vous êtes trop temps passé. En attendant, si comme là pas problème pour vous, vous utilisez 4 travail TPS tout en attendant. Vous comprenez? So, nous dit tout dépend. Vous comprenez? Ça t'avait dit ça qui arrivait que vous faites comme ça tout. Ok, on a. Ok, guys. D'abord, on nous dit que pour tout le monde qui soit asile, quel que soit le monde qui soit asile, la grande bagarre qui est importante, il faut faire le dégage, démêler, entrer dans. Ça nous relie à SAP qui c'est Asalam Seeker Advocacy Project. C'est mon conseil là-bas. Donc, on va reprendre encore. Tout le monde qui est sous asile, dégagez, démêlez, entrez dans Asalam Seeker Advocacy Project. Nous parlons de ça souvent sur le website. C'est n'importe. Dans 5 minutes, vous pouvez faire n'importe mon aide ou remplir l'application. Dans 3 jours, vous avez 4 membres pour vous. Puisque Libo, justement, un gros atout pour capable battre avec USCIS lorsque l'a fait retard et autres. Donc, ça y est, prévu, je vais parler surtout avec mon cas là. Dégagez sur votre confesseur, je vais parler avec vous là pour entrer dans ça, justement, puisque nous constatons qu'il y a un problème. Ok, d'abord, on nous dit, si nous prenons le cas de Asile, je vais pas seulement mon Asile. On prend le cas de Asile. Asile, généralement, là, on est en SAP, on est obligé de parler de ça, fort qu'on est en SAP pendant la bataille là, pour plusieurs raisons. L'on a besoin de travailler rapide pour comme tout. D'après Applaud encore, ça veut dire l'entrée dans SAP. Si c'est la première fois de pour monter 4 à SAP, pour payer un good, ok? Et si c'est la deuxième fois, et ça faut préciser, de pour monter 4 à SAP, ou pas gain pour payer 85$. Moi, constaté gain des cas, côté que mon envoie 410$ USIS, tourner le bali. Je dis à tout le monde, ça arrive, retourner le bali encore, mettez dans notre clé. Qui dit que justement, pas de pour payer 85$. C'est des séries d'officiers qui pas contre job. Ok? Son loss qui ont fait contre gouvernement, le ou pas de pour payer 85$. Il y a plusieurs cas qui ont tourné le monde. Tout simplement, officier pas contre travail. Ok? Et ça, c'est ça que nous constatons. Ou bien, tout y a un officier qui connaît, il fait exprès même, juste, son façon pour payer la hauteur, tourner le bail. Ok? So, donc, c'est ça que nous voulons préciser. On a avantage de COB. Pas de pour payer 85$. Qui le dit la première fois, les fruits, deuxième fois, avec dit après renouveler, c'est 410$. Si pas jamais retourner le baou, retourner le baou officiel avec note là, et bien compte pour aller voter plainte pour vous tout. Nous devinons avec premier, il y a plusieurs options pour peut-être porter plainte pour vous. Ou gagner, et nous te parlons de USCIS. Ok, nous, en fait, website, ça va montrer nos lits. C'est une institution qui, justement, la pouvait dans le travail USCIS a fait, il a pour assister. Et nous te parlons, il faut nous retourner, expliquer ça. C'est l'alternative qui est et qui s'allie. Et pardon, guys, c'est forme ça qui relait DHS 7001. Ok? DHS 7001, c'est pas tout ce qui est en courant là-dedans. Non? Généralement, on va l'adresser aussi lorsque la grave font pile temps. Ils sont là justement pour recevoir plainte ou car upload tout bagage. Après, prendre pour encore. C'est DHS 7001 qui s'allie. C'est une institution indépendante dans USCIS yo là pour yo aider des séries de monde laisse que dossier prend trop de temps justement et lorsque il y a des erreurs graves ou capable constater ou capable et faire application online bio s'il le faut upload document
yo yon nan souti, mais c'est pas tout ça ou gen, ou gen tan di ou mbral fil form et dit chez 70-01. Ok? C'est lorsque vous faites toute démarche, ou la exagéré ou constat ou contacter. Donc ça, rappelez, dans quatre batailles ou quatre travail là, et pas seulement quatre travail tout, dit quatre résidences, d'autres applications de ce genre. Ok, on a les guys, et n'a pas donné en bataille là. Okay. On prend le cas particulier de monde qui a sur asile. Et on a dit pour les barres là, ou pas j'en voyer reçu bas ou. Ou pas j'en voyer reçu bas ou. Ok? On a un sap, ou pas j'en voyer reçu bas ou. Ça qu'a fait. Ou pas j'en voyer reçu bas ou, ou gen deux barres ou capable faire. Ou gen plusieurs barres ou capable faire. Ou capable faire ça nous relé un Freedom for Information Act. Ok? From ban ou ni Freedom for Information Act, c'est lorsque ou pas j'en voyer reçu du tout. Ok? Son application li. Et ou ka tape la men on li, bien n'importe moun, yo li Freedom for Information Act. Et so ka fait tout. Ou capable email, a parler de ou même qui nan ça Freedom for Information Act, c'est pour tout moun. Ou pas besoin fò nan ça. Mais ou même qui nan ça, ou capable email directement logbox support usisdhs.gov. Ma appelé pour vous, c'est LOCKBOX SIPPORT à commercial usis.dhs.gov. Ok, so lockbox support, lockbox support. Vous comprenez ça? Vous avez dit, vous là pour bon support et à commercial là c'est usis.dhs.gov. Vous capable email yo et dans sujet à vous mettez CASA, la situation le cas, un ASAP gen ou zaryo. Trois groupes ça a été fait leur soutien contre le gouvernement. Donc, make sure qu'on a ça là, vous comprenez? So, c'est ça, on mette dans le sujet là. Et on mette alien number, ok? Si vous avez tracking number, on mette li. Et si vous avez receipt number, bon, dans le cas où vous avez et depuis que vous plus que 25 jours, vous pas recevoir receipt, vous capable utiliser, vous capable contacter USCIS à travers téléphone. Vous avez bien, nous ne pouvons pas vous capable email yo sur le site là. Mais comme ça, tout. Si vous avez 25 jours ou plus et que vous n'avez pas jamais reçu, et vous êtes capable de contacter par téléphone ou bien dans le website. Yo. Vous avez ou bien si vous avez retendu ça, vous avez dit que vous avez battu. Ok, par téléphone, vous êtes capable de repasser l'audio sur la tablette. Parce que vous avez oublié que vous avez dit que vous avez battu. Vous avez fait 800-375-52-83. Ok, 800-375-52-83. Donc ou même qui nan ASAP depuis machine nan di how can I help you, parce que mon problème il gen leur relé, parce que mon bagage là tout tant de relé ou parler machine a peu de poser question, pas jambe les passer au monde. On fait tout gens il doit capable de il faut parler en bonne français alors qu'au besoin monde pour parler pas capable tout ça dit il doit pour répondre ça il pas vlo joindre nous individu. Tendez bien, ok. So, ma bonne technique ça, ou même qui nan ASAP ou abandon di Wozao yo, ou bien on dit InfoPass. Ok, si vous avez pas technique ça, parce que ou bien on dit InfoPass pour capable de joindre un représentatif. Lorsque vous un représentatif, ou abandon di que nan ka ou même qui sa pa, ou son membre ASAP et member Wozao yo class. Parce que de pour ASAP, ça veut dire automatiquement ou nan Wozao yo class. Ok, ou abdi ou son member de ASAP et member de Osario class. OK? Et puis vous dit ou besoin un service request. Ou besoin un service request number. OK? Et gen en pile fois yo pa vle bay service request number. Faut qu'on insister. Ou a besoin et le plus souvent on demande reset number, ou pa gen ni ou di ou gen le number. Ou bay et dit ou pensez que justement que vous te recevoir national et puis pour écrire receipt number là. OK? OK, là m'a parlé de ou même qui sont capables de joindre yo et ça pour dire machine là le plus souvent parce que info pas ça c'est pour appointment, de pour dire soit dire Rosario ça est dans ca monde qui dans ASAP, sous pas dans ASAP, ou dit info pas. Parce que c'est ça il là pour fixer appointement. OK? Maintenant, mon autre bain encore qui est très bon. Est-ce que nous connaissons que ou capable live tout et presque par téléphone? Dans le sens que ou capable online, ok,
essayez là pour qu'on parle bon qui vient lire le bas du website là nan bar qui relé à Asema website là qu'on a gon dame qui sont machine et tout le Emma li là pour répondre toute question ne pour pas d'ailleurs Emma qui t'apparaît sur côté vous comprenez so depuis Emma apparaît de vous cliquer Asema là apparaît tout sous bar Emma vous comprenez on est allant là on clique Asema Emma apparaît c'est Emma sur website là Emma là pour répondre toute question maintenant depuis live là apparaît OK ou tapez live chat OK de vous elle dit Emma là pour toute question mais là Emma apparaît pour une question on va dire live chat ou dit moi besoin live ou besoin parler en représentatif et ça le dire ou besoin chat avec représentatif OK maintenant Emma va dire OK qui topic ou ta vle laisse ça va dire case status il dit statut de case OK et puis ou ap clique connect to live chat ou capable et puis ou ap rentrer dans ce number là lorsque qu'on rejoint un représentatif ou ap fait connait que dans cas de ASAP là pour son member de ASAP pour son member de Rosario class et ou ap mandé ça nous reler un service request number que depuis le bas ou ap écrit down OK OK donc là n'a ba ou de justement de pratique là nous plus parler de monde qui a ça parce que on considération spéciale de ta supposé répondre OK et maintenant si gain 8 jours après qu'on fin call service center là 8 jours après et que yo still pas process application là 8 jours après yo still pas process à ce moment là Dieu ou va le pire ou va aller ou capable email Texas Service Center class action. Ils ont class action, class action vous avez dit. Si 8 jours après, ou fait request number, pas grand dit qu'on est là, ou quoi ça avait dit, là, ça, là, là, plus ça parle de monde qui soit asile ou qui gagne dans cas à sa vie. Laisse ça, c'est comme si ou parlerait les monde qui t'a fait procès. Donc, ou email Texas Service Center class action. Qui j'en la pied? Mais j'en la pied. TSC. Class actions à commercial usis.dhs.gov. Ma prédit pour encore. C'est tsc.classaction. Class action, ou m'a bien répété ça vous. Class action, ok? Ou bien simplement, vous c'est CLA2SACTION. Ok? Et puis à commercial usis.dhs.gov. Donc après 8 jours, vous gagnez. Request number ou pas doué en et bien où est le class action nan pou yo nan email là ou ap mette Rosario class action OK et ou ap voye yon copy email là ba sa ou ap voye yon copy tout bay asylum et EAD en majuscule asylum EAD a vle di employment et c'est généralement work permit là comme ça jou mette c'est EAD et vous mettez à commercial nwirp.org. Ça sont co pour capable faire, il pas obligation pour la partie ça. Remarquez bien on ca toujours replay vidéo ça pour t'en débat bien. Non, email ça va mettre nom, ou va mettre service request là. Ouais ça c'est important pour compte service request là. Ou va mettre date côté le USIS call center là. Sous gain receipt number ou va mettre li, date recevoir et ou va dire qu'on sont ASAP member. OK, mais plusieurs façons pour battre avec eux et pas oublier que nous parlons autour de forme ça qui est JC7001 que vous capable justement faire et adresser ou même tout de manière individuelle y a contacté USCIS justement pour agir non non là m'a bord différents gens qui capable bataille ou même qui gain zan et qui va dans rien fait you know bagarre m'a baou comme technique tout s'il le faut et me toujours dit nous ça. Toute application a fait minimum, fait ou mettez téléphone ou et forme qui pour faire que si pas accident. Parce que des fois, mon technique, yo kon fait et yo bien sérieux, yo voye recite là, yo connaît bien propre. Gen qui va le faire en dedans, yo voye non, yo gen adresse ou bien propre. Yo voye non adresse qui va adresse ou pour pas joindre ni. Mais au moins, ou après ton gen recite dans téléphone ou de pour gen recite dans téléphone ou son bon à tous les pour. Et à ce moment de la durée, son café ou capable justement. Et à l'aide de site là ou carré les yo on mande un code pour capable justement créer account online à ce moment de la durée depuis on voit une notice ba ou même les il ta font genre yo voye non fait adresse pour venir dans account.
depuis le pas venir à 40 ou non menti. OK. Ma continue comprendre et ça me dit là. Voilà, donc ou attacher justement. Donc moi dis ça c'est le fait que c'est surtout pour mon asile dans ces derniers jours moi a souffri en pile et pour jeune cap travail, moi d'autres mon encore tout. Donc moi ba ou différentes techniques, moi différentes façons que justement ou capable de combattre bataille ça, c'est une chose lorsque cap travail ou justement traîner me tout autant de bien et s'il le faut ou replay li différentes façons, différentes institutions qui capable aider ou nan causer ça. OK guys. Donc c'était un véritable plaisir, c'était que vous partagez information ça avec yon l'autre ami. Bye bye tout le monde.